nous voilà arrivés à notre 10e journée de notre session estivale. Enfin, ouais, déjà 10e. Donc voilà. Sous ce soleil, quelques nuages. Donc là, nous allons vous parler de ce qui a marché durant cette session et les nouveaux produits qu'on a achetés. Bon, voilà. Donc on va commencer par les Tuna Max. Voilà. Donc tu t'en penses quoi, Fel, des Tuna Max? Ah, les Tuna Max, sont bien. Voilà, quoi. On a fait du poisson avec. Bah ouais, mais 3-4 je crois. Beaucoup. Ouais, donc. On en avait plus fait avec les Spicy Sandwich. Donc Tuna Max qui marche un peu, voilà. Hop, avec leur flottante, voilà. Ensuite les Japanese Squid qui elles n'ont pas trop bien marché. Elles n'ont pas marché. Si, j'ai fait mon amour blanc avec ça, moi. Ah avec oui. Une coulante comme ça. Les M-Pen Tiger. On n'a fait aucun poisson avec, mais on sait qu'ils marchent. Voilà. Ça, je sais pas ce que c'est. Ici, on sait que t'es une gamarus. Non, on n'a pas pêché avec. Les bouillettes de signal. Bah, on pensait qu'elles allaient donner beaucoup, mais finalement elles sont pas données tant que ça. Enfin, moins que les démon. Mais ouais, mais bon, ça reste de très bonnes bouillettes quand même. Notre deuxième truc et l'air équilibré. Les Omega Fish. Que bouillette qui se détruit rapidement. Même pas 30 minutes sous l'eau. Sous l'eau, ouais. Ah, départ. Ouais. Voilà donc. Au Tuna Max. Au Tuna Max, bah voilà. Fin d'épisode. Départ en semi-direct. Alors qu'on vient de lancer la canne. Tu veux l'épuiser où? Ouais, va vouloir être épuisé. Grande dormir. Hein? Ah, c'est pas possible. Donc, premier départ de la journée. Tuna Max, mais ils sont autant. Attention, tu. Tuna Max et Maïs flottant. Donc les cartes qui sont plutôt sous les herbiers, là on avait mal lancé et pourtant c'est parti. On va l'épuiser ici, hein, je pense. Voilà. C'est le mieux qu'il y a à faire. Hop. Elle est lourde. Petite. Typique du coin ou pas? Petite miroir encore, je pense. Petite miroir aux petites communes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de miroir. Donc il y a un projet qui est en train de se. Enfin, on sait pas encore si on va le faire, mais peut-être on va peut-être faire un 48 heures dans un étang. Ouais, de 42 hectares à Luçon. Donc ça serait bien de le faire, mais bon, pour l'instant c'est qu'un projet. Hein. Avec évidemment de plus gros poissons parce que beaucoup de personnes nous disent que les carpes sont petites, chose qui est vraie, mais déjà ça mord, on va pas se plaindre. Bah, on a un ami à nous, il a acheté, il a payé dans un étang privé 40€ pour 48 heures, il y a des carpes koi et tout, et ils ont rien fait. Ouais, donc. Alors ici. Ici, 8€ la journée. Et en plus, on a du poisson. Donc. Même si c'est pas très gros, au moins, on a du poisson. Donc avec un. Un feeder. Ouais. Là, je te J'avais pas l'intention de la prendre.
C'est quoi une miroir? Hein? C'est une miroir? Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. À Gru, il n'y en a pas. On n'en a pas fait. Parce que j'ai vidé l'eau du seau en fait. Je pensais ne pas en avoir besoin tout de suite. Départ semi-direct. Tiens, notre chien de garde à voir. Regarde, ça a été sur la mousse. Voilà. J'ai pu donner de la couleur et d'odeur à nos échelles. Ensuite, nous avons acheté entre temps du chêne-vie. Voilà. On mettait régulièrement dans les amorces. Et qui a très bien marché. We'll be right back.
le seed mix, bah, il a disparu. Il a très bien marché. Nous avons des pelés qui marchent très bien. On a tous les pelés à empêcher avec de la mort toute la matinée. Et on a fait un petit pelé de notre leader et on a fait un peu de pelé. Donc il faut les attaquer. Le maïs bio qui a été très bien, tout mieux marché. Sachant que ça les a pas assez. Il nous reste de la mort Sony Bait. La salette net crush quoi. Et là nous sommes en train de décommèche et des pelets, voilà. Des pelets décharge en bien sûr. C'est pas ici bon, mais les couilles ici. Ça tient aussi bien un peu de l'autre. Très résistant. Qui a une petite odeur et qui brille un peu plus. Je pense que ça peut être. Donc le troisième départ de la journée. Oui, troisième parce qu'il y a 10 minutes je... Hein? Non, une brème. Pas grave. Oui. Ah bon? Ah ouais. Elle lève pas ça comme ça. Je l'ai accroché sur le... Donc une brème qui je pense était sur l'amorce. Et elle était en train de jouer, je pense, avec les bouillettes. Et lorsque mon cousin a ferré, bah, elle s'est plantée. Voilà, beau plateau. Ah, la Japanese Squid. Ah, bleu. Ah. Non. Dommage, un autre départ. Donc, lui, c'était à quoi? Ça? Oui. Non, mais ce que tu viens de lancer, là. Ah, Japanese... Là? Non, là sur ta canne que tu moulines. Ah, Tiger Nut. Tiger Nut. Et donc là, la Japanese Kid, oui. Japanese Kid, comment je parle moi? Donc oui, je disais, j'ai eu un départ juste avant. Je pense que c'était une carpe, c'était la Japanese Kid avec un maïs sautant. Et bah, la boucle de mon cheveu s'est défaite. J'avais un peu la rage. Mon cousin là qui vient de prendre un plateau et de louper un poisson. Voilà, il est bientôt 20h, je crois, non? Ouais. Bah on va espérer en prendre d'autres. Allez, salut.